Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo où on va parler de DDT, on va faire la review de DDT All Out Produce, All Out Final Fight 2021. Pour cette vidéo, je suis accompagné par Wingreen. Salut Wingreen. Salut tout le monde. Alors donc All Out Produce, All Out Final Fight, c'était le show de, on va dire, de retraite d'All Out All Out a annoncé sa retraite, je vais l'appeler comme ça, voilà, a annoncé sa retraite du côté d'Into the Fight. Le clan n'existe plus, c'était un clan qui était leadé par Konosuke Takeshita, et du coup moi je trouve déjà ça bien l'idée qu'il leur ait donné un show comme ça pour partir, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Et déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de la fin d'All Out, de ce qui peut découler de ça? Bah, la fin d'All Out était assez prévue, dans le sens où ils avaient commencé avec certains membres du clan, notamment, mais pas que, de construire un nouveau clan qui est le Sona Club. Mmh. Donc, il y avait plus en plus de temps pris par le Sona Club et beaucoup moins par All Out. Enfin, All Out commençait à dérouler dans la carte, tandis que le Sona Club, lui, montait fortement. Et donc, du coup, ça me semble logique de conclure dignement le clan. Oui. Pour lancer le Sona Club, enfin pour lancer définitivement le Sona Club derrière. Oui, je suis assez d'accord. Après, t'as Akito par exemple qui est champion Six Man avec Hirata de Disaster Box et du coup Shota également. D'ailleurs, Akito, du coup, je le vois bien peut-être rejoindre Disaster Box avec Hirata. Oui, ça me semble logique. Ouais. Mais enfin. Après, du coup, voilà, ça va se tourner autour de Sona Club. Je sais pas si tu penses qu'il y aura des nouveaux dans Sona Club. Pas rapidement, en tout cas. C'est possible qu'il y en ait un qui rejoigne bien plus tard, mais dans les médias, je vois pas. Ok. Oui, non, mais c'est assez logique, du coup, oui, d'avoir fini All Out comme ça sur ce show. On va, du coup, rentrer maintenant, après avoir expliqué un peu l'importance du show, on va rentrer dans les matchs en eux-mêmes. Exact. On a commencé le show avec Yuji Inoue contre Yuki Inoue. C'est un rematch du match qu'ils avaient eu en février. Clairement, moi, personnellement, j'ai préféré ce match-là à leur match de février, que j'avais pas trop aimé. Franchement, ça se rentrait bien dedans. Moi, j'ai bien aimé les échanges qu'il y a eu entre Yuji Inoue et Yuki Inoue, des bons chops. Moi, j'étais investi dans l'action, voilà, c'était vraiment très cool. Ça a duré que 7 minutes, mais c'est un bon petit opener. Voilà, victoire de Yuji Inoue, assez logique, il gagne pour la deuxième fois donc contre Yuki Inoue. Moi, j'ai mis 3,25, franchement. Et le début était déjà très, très costaud avec Yuki Inoue. Ça m'a fait rire d'ailleurs qu'il fait son AK en dehors du ring pour attendre Yuji Inoue. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Moi, j'ai un peu l'envie inverse, c'est-à-dire que je préfère largement le premier match. Mmh. C'est-à-dire que le premier match, c'était du typical big man, un peu ce qu'on peut retrouver dans une idée de strong division de la BJW. Mmh. Donc vraiment, où ça cherche pas à faire des grosses prises, ça cherche pas à faire des maxi prises, ça sert pas à être très technique, c'est on te donne des coups stiff et ça bourrine. J'adore ça. Oui. Clairement, j'adore ça. Et donc, du coup, sur le premier match entre Yuki Inoue et Yuri Inoue, j'étais totalement dedans. Là, peut-être aussi dû à la prod, etc. Oui. Mais j'étais clairement moins investi. Même, je trouve, les catchers, ok, c'est avec un peu plus de frein que la dernière fois, je trouve, ça reste bien. Oui. Et je trouve que le match se démarque beaucoup moins que leur premier match, qui était plus basé sur une certaine idée de catch, donc le côté un peu strong BJW. Là, je trouve que c'est un match un peu plus random au final, et surtout que là, c'est carrément un opener. Il n'y a que en soi 4 matchs, enfin 4 affiches, 4 matchs pas exact, et 4 affiches. C'est aussi pour ça qu'ils ont fermé. Non, je suis assez d'accord, parce que quand c'était dans le show du 23 février, c'était en plein milieu de carte et on avait déjà eu le temps de rentrer dans le show, qui était d'ailleurs un très bon show, donc je peux vraiment comprendre ça. Enfin, personnellement, voilà, Yuji Inoue, ils ont l'air d'avoir des vrais projets pour lui chez DDT depuis son retour fin décembre. Depuis son arrivée, plutôt. Ouais, Yuki Inoue, il y a moyen qu'il ait des bons trucs depuis son retour, et Yuji Inoue, il est booké ultra solide depuis qu'il est arrivé dans la compagnie.
Oui, non, mais clairement, et puis l'avoir fait rejoindre Damnation directement, pour moi, c'est pas un hasard. Je pense qu'il pourrait peut-être aller chercher le titre Universal d'ici la fin d'année. Je pense pas plus, honnêtement. Ça me paraît logique. Je pense pas plus, personnellement, je le vois pas plus haut dans la carte pour l'instant. Bon, clairement. Bah, pour l'instant, ça va être compliqué d'aller sur le mondial. Ouais. Je suis assez d'accord. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant passer du coup au deuxième match du show. C'était un six-man tag team match avec Chris Brooks, Shota et Yuki Ueno contre Akito, Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata. Ça dure un peu moins de 15 minutes. Victoire d'All Out, logique. J'ai mis 3,75, j'ai adoré le match. Et en même temps, le match sert également à builder le Brooks contre Katsumata pour le titre extrême. Donc moi, j'ai bien trouvé, bien adoré personnellement la double utilité du match. Ils ont eu des très bons échanges. Takeshita était également fantastique dans le match, des très bons coups de genoux, des très bons strikes. Moi, j'ai eu aucune difficulté à rentrer dans le match. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, dans un six-man DDT, là, c'est vraiment, ils ont fait tout ce que j'aime et c'était super propre in-ring. Et pour moi, c'est un gros 3,75 pour le coup. J'ai adoré le match personnellement. Ah bah c'est du 3v3 DDT, tout ce qu'il y a de plus classique. Le truc est que les 3 contre 3 DDT sont souvent méga solides, donc c'est souvent super plaisant. Donc oui, moi j'ai kiffé le match, je suis pas allé autant que son acolyte, je suis resté juste plus sur du 3,25 ou 3,5, mais ouais, 3,5. Je pourrais pas mettre au-dessus parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas non plus, il n'y a pas d'importance au match ou quoi qu'est-ce. Mais ça reste méga solide, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est du bonheur à regarder. Oui, clairement. Moi, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça bien que ça buildait en même temps Brooks et Katsumata plutôt que. Enfin, il y a eu toute l'histoire autour de All Out en même temps. Bon, t'as Ueno qui fait une perf de malade. Ueno, il fait que des bons matchs. Il faut qu'il s'arrête. Ueno, il fait que des bons matchs. Il est dingue. Oh, non, mais Yuki Ueno, il est dingue. Et franchement, moi, ça, pour le coup, Brooks et Katsumata, il n'y a pas de grosse story particulière derrière. Et là, pour le coup, faire un six-man là, juste avant leur match, moi, personnellement, je trouve ça quand même une bonne idée, pour le coup. Je sais pas s'il y a une story particulière entre Brooks et Katsumata de base, mais moi, ça me rentre plus dans la fiche, personnellement. De base, on n'a pas trop, parce qu'ils se sont pas trop rencontrés par le passé. Mais oui, là, il y a... Même s'ils parlaient d'avoir pris des choses, dans la promo la dernière fois. Brooks et Katsumata, oui, je suis hype. Oui, moi aussi. Du coup, on va pouvoir passer maintenant à la troisième affiche du show. On va voir qui s'est divisé en quelques matchs. C'était de base un six-man tag team match avec Anthony Honda, Tetsuya Endo et Transam Hiroshi contre Arashima, Soma Takao et Yasuo Urano. On est passé par un freeway tag et on a fini dans un autre six-man avec des autres équipes. C'était Honda, Arashima et Urano contre Takao, Endo et Transam Hiroshi. Voilà, il y a eu des no-contests dans tous les sens. Ça, personnellement, le booking m'a pas dérangé. J'ai bien aimé ce qui a été fait, voilà, c'est la comédie DDT dans le texte, moi personnellement j'aime bien, tout le monde fait une bonne perf, Honda il est drôle, enfin voilà, moi ça m'a vraiment diverti en tout cas de voir ce match, c'était bien placé dans la carte pour moi pour te faire un peu souffler avant le gros main event juste derrière, et enfin voilà, les échanges Endo-Takao aussi dans le premier match étaient très cool, bien que court, et moi j'ai mis 3,25, c'était bien dans ce que ça voulait faire et bien placé dans la carte. Oui, non, c'est très good match, même si les deux premiers j'ai du mal à les considérer comme des véritables matchs à part entière. Dans le dur, il y en a un qui est en moins de 2 minutes et l'autre c'est 2 minutes et 2 minutes et quelques, à peine. C'est le troisième un peu plus long, à 6 ou 7 minutes, je crois, de tête. Mais non, c'est sympa. Après, là, pour le coup, je n'ai pas trouvé ça super drôle. Enfin, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux en termes de comédie, très loin de là. Ça reste sympathique, c'est pas mal. C'est sans fioriture en basse, quoi. C'est pas gênant outre mesure non plus, je trouve. Ça se regarde plutôt bien, ça reste un peu amusant. Après, tu vois que c'est totalement mineur et on passe au reste. Oui, non, je suis d'accord. C'est le match pour moi le moins important de la carte. Donc, c'est clairement le match le moins intéressant de la carte. Oui, clairement, et puis c'est pas là pour l'in-ring pur en soi. Enfin, déjà, tu vois, le booking, enfin, moi personnellement, j'ai pas de problème avec le booking, mais enfin, voilà, c'était bien. En
entre le booking et le fait que t'as à la fois Anthony Honda et Transfer Miroshi. Bon. Bon, oui, non, c'est clair que ouais, c'est pas du Gresham ouais, dans le texte. Mais... Ah non, c'est pas du Gresham Maccabi. Non, mais voilà, ça restait un match plutôt cool. Mais comme tu l'as dit, oui, il y a eu bien mieux en termes de comédie, notamment récemment chez DDT, avec notamment des livres qui gagnent des titres. Enfin, voilà. Mais du coup, voilà pour ce troisième match. On va pouvoir passer maintenant au main event. Main event qui avait pour le coup beaucoup de signification. C'était donc le dernier match d'All Out. C'était Shunma Katsumata et Yuki Ino qui affrontaient Akito et Konosuke Takeshita, donc 4 membres d'All Out. Ça a duré 29 minutes, victoire de Katsumata et Yuki Ino. Personnellement, j'ai adoré le match, je l'ai trouvé super émotionnel. C'était vraiment, il y a des séquences où quand ils sont 4, oui, c'est vraiment génial. Les gros échanges entre Katsumata et Akito, d'ailleurs sur la fin, puisque c'est Katsumata qui pine Akito pour remporter le match. Tout le monde a vraiment brillé. Vraiment, pour le dernier match de la House, je trouve que c'était un bel hommage rendu à cette faction. Moi, j'ai lâché le 4 parce que, en termes d'émotion, de storytelling, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et la fin, quand il, après le match, quand ils laissent le drapeau de la House sur le sol et qu'ils s'en vont, moi, ouais, personnellement, j'ai adoré voilà, tout ce qui était mis autour du tribute à All Out. On va séparer, je vais séparer deux choses, l'après-match et le match. Okay. Le match, j'ai mis 3,5. C'est-à-dire que c'est un bon match, ça fait le taf, etc. Ça reste très oubliable, hein. On est vraiment sur un tag de show mineur, hein, clairement. Mais ça fait vraiment le taf, il n'y a pas de problème, tu as des petites symboliques, des trucs comme ça, c'est très sympa, c'est très cool. Après, j'ai pas grand chose à dire sur le match en lui-même, puisque voilà, c'est dans ce qui est proposé, ils sortent une table, etc. Mais ça reste assez classique, assez basique, entre guillemets, pour DDT, mais ça reste bien cool. Mais j'ai été surpris, et de manière très positive, que ce soit Katsumata qui récupère le pin sur Akito. Ouais. Parce que pour en terminer sur le. Sur la faction pour en terminer sur l'histoire du clan, terminée par une victoire du futur, en fait, finalement, de la personne des quatre qui représente le plus le futur, c'est-à-dire Shunma Katsumata. Je trouve ça très bien. Oui, non, je suis assez d'accord pour ce plan-là. Franchement, mais ouais, comme tu l'as dit, tout le monde fait du bon taf. Enfin, moi, personnellement, j'ai plus adoré le côté vraiment storytelling du match. Après, ça dure 29 minutes, j'ai vraiment bien eu le temps de rentrer dedans. Ouais. Après, j'ai trouvé ça peut-être un peu long, en fait. Ah oui, je vois. Moi, personnellement, pour ce que représentait le match, moi, ça m'a pas dérangé, personnellement. Non, mais ce que représentait le match, enfin, ça, en soi, ça n'a pas dérangé outre mesure, et en soi, je comprends tout à fait, hein, c'est logique. Mais ça m'a paru quand même un peu long en regardant le match. Oui, je peux comprendre. Mais voilà, donc pour moi, le match, c'est un 3,5, ça reste bien, etc. Mais c'est plus la symbolique qui va être importante, c'est pas le match en lui-même, c'est vraiment ce que... Et c'est vraiment au final la victoire de Katsumata et le fait que bah à la fin ils remettent l'espèce de drapeau avec lequel enfin je sais plus c'est qui était rentré avec je crois que c'est Katsumata d'ailleurs. Ouais, mais c'est Katsumata en plus, je trouve juste encore mieux que ce soit Katsumata, en fait je trouve ça encore mieux que ça soit du coup lui qui rentre avec et que c'est lui qui dépose, qui trouve l'idée de déposer son drapeau de All Out sur le ring. C'est comme on fait traditionnellement, comme lorsqu'on pose ses bottes dans le ring, par exemple. C'est une certaine signification. Et je le laisser dans le ring comme ça. Là, pour le coup, autant sur le match, j'ai pas été touché émotionnellement du tout. Hormis sur la victoire de Katsumata, quoi, parce que je trouve... Enfin, ça brise, mais... Mais sur l'après-match, oui, par contre, j'étais bien touché, parce que All Out, c'est, parce qu'en plus, All Out, si vous voulez, c'est... All Out, c'est sa création, j'avais check, c'était la date de 2017, par là. Et il se trouve que j'ai commencé à DDT en 2017. Ouais. Donc, concrètement, All Out est une des représentations que j'ai le plus connues à la DDT. C'est une des choses qui est le plus important dans mes visionnages depuis le temps. Donc quelque part, les avoir vus au début, les avoir... Il y a quelque chose de touchant quand même.
Non, je suis complètement d'accord. Moi, pour le coup, j'ai commencé la DDT bien plus tard, mais non, oui, c'est clairement touchant en matière de, enfin voilà, de symbolique cet après-match. Comme tu l'as dit, le fait que ce soit Katsumata qui dépose le drapeau, moi, ça m'a vraiment plu. Et enfin, clairement, tu sens clairement qu'ils ont passé le cap d'All Out et qui savent où ils vont, quoi. Et moi, ça me fait plaisir parce que tu te dis pas, ouais, ils ferment le clan pour rien, quoi. Parce que faut savoir qu'ils ont pris la décision de fermer le clan après un tag Damnation contre All Out à Into the Fight. Mais du coup, ouais, tu sens qu'ils savent où ils vont, et moi ça me va en tout cas, clairement. Voilà pour ce match qui a donc duré 29 minutes. Du coup, voilà pour ce show. Dans l'ensemble, personnellement, j'ai adoré le show, vraiment. C'était un show qui était nécessaire pour moi pour fermer All Out, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Clairement, voilà, très très bon show. Et tout le show se regarde, clairement. Y a pas, même si mon match préféré, c'est clairement le main event, j'ai pas un match à conseiller en particulier parce que j'ai adoré tout le show, et pour moi, tout le show se regarde. Ça, j'ai pas de match particulier à donner puisqu'il y en a aucun qui est spécialement recommandé des personnels. Bien qu'ils sont bons, hein, oui. je dis pas le contraire. Non, oui, le show est très bon. Mais du coup, voilà pour cette review de DDT All Out Produce, All Out Final Fight. Du coup, voilà, je trouvais ça nécessaire de faire la review parce que c'est quand même un moment pour DDT qui est assez important. Et du coup, merci à toi, Wingreen, d'avoir participé à cette vidéo. Merci pour l'invitation. Et donc, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. A plus.